Est-ce que vous pensez que vous êtes en train finalement de devenir la nouvelle génération de Jessica et Stéphanie ? Alors, on n'a rien à voir avec Jessica et Stéphanie, donc il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'on soit pareil. Maintenant, oui, on forme un binôme différent parce qu'on est des réelles copines. Et après, je pense qu'on peut tout autant apprécier que ce soit Stéphanie et Jessica, autant moi et Montaigne. Il n'y a pas de nouvelle génération, en fait. C'est simplement qu'on a réussi à faire notre place dans la famille des Marseillais. Et je pense que les gens ont apprécié de nous voir toutes les deux comme ils apprécient de voir Stéphanie et Jessica, quoi. C'est plus dans le côté où, genre, maintenant, Stéphanie et Jessica, elles sont en couple. Donc forcément, tu peux faire moins de rebondissements par rapport à leur histoire. C'est sûr que là, pour le coup, on est quand même deux célibataires et forcément deux blondes, il se passe toujours plein de choses. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est de nouvelles histoires. Je pense qu'on a été un peu la source de tous les problèmes de la maison. En même temps, il fallait bien que ça arrive. Oui, c'est sûr. Bah, fallait que ça arrive dans le sens que, bah, voilà, hein, les ex, bah, en fait, ça fait un peu aussi un peu quand même comme Jess et Steph, dans le sens que Steph, bah, c'est l'ex de Kevin et Jess, l'ex de Julien. Là, ça refait encore le même scénario. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on n'a rien à voir, ben, comme elle a dit, avec, que ce soit avec Steph ou avec Jess. Et, ben, après, nous, le binôme, il s'est fait vraiment tout seul. En Afrique, on s'est vraiment liés d'amitié, ben, parce qu'on se soutenait. Là, on s'est encore soutenus mutuellement. Et c'est vrai que le binôme, il s'est vraiment fait naturellement. Et je pense qu'on n'a rien à voir. Ben, voilà, Jess, c'est Jess, et Steph, c'est Steph aussi. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on est des grandes gueules quand même. On ne se laisse pas faire et on est né le binôme.